Bonjour YouTube et re-Twitch, on se retrouve avec joie sur The Planet Crafter. On va faire le 18e épisode ensemble. Et comme je disais dans l'épisode précédent, bon, on a de la flotte, c'est cool ça, on a des petits visuels graphiques. Et d'ailleurs, il me manque un truc, ça y est, le tech est paumé. On ne sait pas si on va voir les chenilles, puisque beaucoup de gens se bug, mais on n'était pas rendu au même niveau avec le patch Fish and Drones. On verra. Programme du jour. On a besoin d'osmium. Toujours pour faire encore plus de pression. On a débloqué le chauffage tiers 4. Et surtout, on me l'a rappelé dans le chat. Et merci le chat. On a les coordonnées de gardien à voir. Puisqu'on avait été dans une grotte, je crois que c'était dans le biome noir, mais j'ai un doute. Ou juste après le biome noir. Et ça serait bien d'aller chercher ça. Je vais vous montrer où c'est d'ailleurs. La photo, la voilà. Hop. On avait pris la clé des gardiens. Il faut aller ici. 964, 68, 17, 44. C'est pas gagné. Ça, on peut manger un coup. Oui, on va chercher du coup la clé. Ou est-ce qu'on bricole un peu avant? On aimerait refaire de la pression, mais on manque de tout. Il faudrait ramener les minerais à gogo. Et la foreuse tier 4, enfin plutôt le radiateur tier 4. Super alliage, barre d'iridium, poudre explosive. Des poudres explosives, ça y est, ça devient complètement dément. Mais on a trouvé du soufre au dernier live, au dernier épisode plutôt. Parce qu'on s'est promené, soufre et iridium. Ouais. Eh ben, on va faire ça. Les nuits, par contre, c'est bien, mais il n'y a pas de lumière tellement dans la station. J'arrête pas de le dire, je me le dis tout le temps. Imaginons, on en prend deux comme ça. On va prendre un peu de soufre. Il est là. Mais on n'a pas de super alliage. On a juste une tige. On va poser ça là-haut. On va préparer. On va se faire deux poudres explosives. Le mutagène, on n'y est pas encore, on n'a pas besoin. Le super engrais tier 2, on n'a pas demandé. Donc on a nos deux poudres explosives, on va faire deux radiateurs. Au moins un sûr, il faudra du super alliage. Il y a encore deux barres d'iridium. On aime bien souffrir, hein, je pense, dans ce jeu-là. Est-ce qu'on se le mettrait pas ici? Dans le chat, on se souvient, je pose ça là. Ah, quoique, je ferais mieux de le mettre dans l'iridium. Je vais le chercher, après, je vais galérer. Donc, on va poser ça là. Et on va voir combien on peut en faire, et on va en chercher. J'ai pu en faire deux. Ah bah, pile poil. Ok. Côté oxygène. On va ramasser ça. On va boire un coup. Est-ce qu'on a un peu de nourriture ou pas? 61%. C'est pas dramatique. On va chercher de l'iridium. Ici, la grotte de sable qui tombe. C'est parti. Et alors, les coordonnées... D'ailleurs, je me laisse noter, mais je vais me laisser devant moi. On a dit 964, 68. Donc si on va parler en verse 964, c'est bon. Mais je n'ai pas pris la clé. On va prendre l'iridium. On prend la clé, on prend à manger. On va chercher les gardiens. Il semblerait que ce soit par là, hein, 68 et après 1744. D'accord, on ira, promis. Les gardiens, la suite, le lore. Qu'est-ce qu'on a là? Du cobalt. Ouais, bon.
Là, oui. On va pas toucher à nourriture. On va pas ramener des petites choses. Tout le silicium, tiens, ça serait pas mal. Allez, on ramène ça. On continue. On va peut-être même s'envoyer des fusées en l'air, hein. Ça serait cool. Et il me manque un truc, parce que depuis le dernier patch, on peut aussi déconstruire des trucs dans les vaisseaux, d'électronique, je crois. Et je n'ai pas l'outil qu'il faut pour. On va réfléchir à ça. Alors, on a un peu de fer, on va refaire encore. Exprès. J'ai pas assez pour la suite, on va le ranger. De quoi on manque? On a beaucoup de silicium, c'est pas la dèche, le titane ça va. Je crois que c'est le magnésium qui pêche. Pour faire des super alliages, aluminium c'est bon. Et la clé des gardiens, si on la veut. La voilà. On va se refaire une cartouche d'oxygène, je me connais. Hein. En même temps, 1, 2, 3, 4. Un titane. Deux titanes, un silicium. On part pour faire un relais d'oxygène. Si je veux, il me manque toujours de quoi faire la map pour voir où on est. Un silicium, un magnésium et deux alus. Je n'ai plus de magnésium. Ça, c'est pas grave. De l'eau, on est bon. On oublie tout. Allez, on fonce au gardien. On y va. Parce que je veux savoir. Je suis comme vous. On a dit 964. Après, on ira le deuxième coordonnée milieu en 68. Oh. Ouais. C'est en sud. Non. L'est. Le 1744, ce serait par là. Non, non, c'est pas bon. Les coordonnées sont pas évidentes, hein. Merci, je suis pas là. Par là alors. Je me suis pris à manger ou pas? Je me suis pas pris à manger. On va aller au relais là-bas, on va voir si on a à bouffer. Je suis un boulet quand je m'y mets. Et puis on voit là, on arrive en. Ouais. Merci. On va juste voir si j'ai à manger là, sinon on est cuit, on est obligé de retourner à la base. Après, la nourriture, ça baisse pas beaucoup, il faudrait juste un haricot. Est-ce que j'en ai? Oh bah écoute, cool. Voilà, hop. Ah, mais des fois je peux être long, je suis comme tout le monde. Alors, on a dit jusqu'en 1744 les coordonnées droites. Donc il faudrait continuer. Je diminue la valeur de gauche ou pas? Ouais. Est-ce que c'est une grotte souterraine? 1744. Au 964. Ne dis pas que c'est dans la grotte. On voit rien du tout. 964, 68. On n'est pas loin, hein.
Alors, où est-ce qu'on pourrait mettre la clé des gardiens? Je suis sûr que c'est ça. Ah! Punaise! Comment on interagit? On a trouvé! Ah bah voilà! Le lore! Bonjour. Ah, il s'ouvre complètement, hein. J'ai que deux cartouches d'oxygène. Allez, on fonce. Ça, par contre, ça sent les coffres dorés planqués. Non, il n'y a pas. Et revoilà encore le temple des gardiens. Ok. Un chemin à droite, un chemin à gauche. On a gagné une nouvelle clé. Ok. Et je suppose que l'autre va me donner des coordonnées, s'ils sont logiques. Ah, j'ai trouvé un vaisseau abandonné l'autre fois. Oh. On peut pas utiliser jetpack, ok. Ah bah mince alors. Ils ont crèché ici, ok. Ils se sont fait un petit endroit sympa. Il y a de la verdure. Oh là là. Là, pareil, une clé de gardien. Deuxième clé de gardien. Bon, je suis bien embêté. On peut aller dans les bâtiments. Ok. Ok. Il faut grimper, je suppose. Ah, il y a un coffre qui est là. Il y a des coordonnées. Comment ça? Hop! Alors, des générations se sont écoulées depuis la grande migration, mais nous n'oublions pas notre histoire. Blabla, nos maîtres surveillent de près leur évolution. Nous voyons maintenant à quel point ils étaient primitifs et pourtant si puissants. Ironiquement, leur nature destructrice les pousse à s'étendre toujours plus loin, c'est ce qu'on fait. Nous devons maintenant trouver un moyen d'éviter de les rencontrer à nouveau. Nous ne ferons pas la même erreur, nous n'avons pas d'années, on ne sait pas s'ils parlent de nous. Ok. Le message est lu. Et il y a un coffre doré qui est là. Super récompense. Il ne reste plus qu'une cartouche d'oxygène. Tissu, je prends, micropuce, le trophée. 600%. 400, 400. Bof. Et on ressort par là. Et je panique pour l'oxygène. J'aurais dû en prendre plus. On n'a pas été là-haut. Ah ouais, il y a toute une... Non, mais c'est une blague. Allez, c'est parti. Ok. Si je meurs pas, on a du bol, hein. Là, il n'y a rien à looter. Je pense pas qu'on ait le moyen de grimper, hein. Non, on peut pas. Si je loupe quelque chose, tiens, je suis pas là, tu me dis en me criant dessus, hein, dans le chat. On a eu le message, on a eu le coffre doré. Je sais qu'on veut des coordonnées. Attends, j'ai pas loupé un truc là? Encore un message. Drainage orbital, dispositif de défense. À ceux qui drainent notre énergie et on s'écrase et on ne communique pas, ok.
On gagne quelques centaines d'années de quiétude. Ok, dernière cartouche d'oxygène. On a loupé une micropuce, leur bâtiment. Ouais. Pourquoi il y a ça? On va aller voir. On est sur le toit. Oh, super! Les nouvelles coordonnées. Une troisième clé de gardien. Eh ben, on garde ça. On verra ça en off pour une prochaine expédition. Peut-être tout à l'heure, hein, si on est rapide. Et nous, on s'enfuit par là. Dis-moi qu'on a d'oxygène, parce que sinon, les carottes sont cuites. Le soleil. C'est tout? Oh. On est cuit. Ah, il me reste quelques minutes. On fonce. Est-ce que je peux descendre sans me tuer? Hop. Ok. On a trois clés, on a des coordonnées, on a vraiment le principal, c'est super. Allez, fonce maintenant. En fait, je vais piger. Hein. Quand tu cherches des coordonnées, tu prends d'abord le chiffre de droite. Et après, tu fais avec les deux autres, ok. J'ai l'impression. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et là, j'ai la musique d'Indiana Jones, mais à fond. Dans le temple maudit. Toujours pas les jetpacks. Il me reste un tiers d'oxygène. J'aurais dû amener une cartouche de plus. Si je meurs avec les clés du gardien, comment ça se passe? On récupère le corps? Banzai! On sort par où? Ok, on va au relais du vaisseau. Après, on va aller récupérer l'uranium et on revient. On va faire ça. Ce serait dommage de laisser l'uranium là-bas aussi. Excellent! Un plan se déroule bien, on est content. Ah, tiens. On boit un coup. Est-ce qu'on a besoin de tout ici? En même temps, on a du merdier à ramener. On va prendre tout le magnésium. L'aluminium. On va laisser un fer. Ça va te faire. On va ramener ça à la base. Oh, je suis sécu. Très surprenant l'architecture des gardiens, j'aurais cru plus quelque chose d'alien. Et là, c'est plutôt des bâtiments aristocratiques en fait. Pouf, on n'est pas mort. Déjà, on sauve ça. Les graines, le bazar. Etc. Ici, 400%, ça c'est top. On va garder le 600. On va garder ça aussi. Comment on est là? Si je veux faire un hacker tier 2, c'est ça. Il faudrait juste un super alliage et 3 barres d'uranium. C'est gérable. On va le faire. On va faire ça, on va ranger un peu tout le bazar.
Un cobalt, magnésium. On va regarder un. Là, on est bon. Alors, on va se prendre un, deux. Même tout, on va tout transformer, tiens. On va prévoir de faire plus un jour. Non, pas ici. Alors, on veut un réacteur en plus. C'est un iridium et deux soufres. Pour se faire, on garde ça pour la chaleur. Une poudre explosive. Il faut que j'apprenne des recettes. Donc ça, c'est OK. Et on veut un épandeur de plantes. Végétude, non. Pas générateur d'algues. Un épandeur de fleurs que je veux. Et je suis perdu. Ah voilà, un épandeur de fleurs, c'est deux super alliages et deux engrais. Bonjour les petits 44, salut à toi et bienvenue dans le deuxième épisode du matin sur The Planet Crafter. Le pitch, on a augmenté la pression ce matin. J'ai trouvé d'os, on a fait des gros générateurs à pression, tier 4. On a trouvé la nouvelle grotte des gardiens à l'instant et je vais juste faire un peu plus d'énergie et de la galère quoi. De la galère, c'est qu'il me faudrait quand même deux super alliages, deux engrais. Ah là là, allez, on aime ça. Il faudrait vraiment que j'en retrouve hein, des super alliages. Hein. Engrais. L'engrais, je ne sais même plus comment on le fabrique. On va aller voir ça après. Mon réacteur, lui, poudre explosive, on va le faire. On va prendre l'échelle là. Ah, il se passe quelque chose. Mais oui! Ils arrivent! Le tiers 1 arrive! Tiers 1 ou autre chose bleue? Qu'est-ce que c'est? Du tiers 1! Merci! En fait, il faut regarder la couleur des astéroïdes pour savoir ce qu'il y a dedans. Ok, on s'affole pas. On cherche l'échelle. Et bah si, il me perturbe. Donc on a dit pour le réacteur, une poudre explosive. On a tout pour faire le réacteur, sauf une bouteille d'eau. Et l'épandeur de fleurs, il faut deux engrais, six algues, deux soufres. Waouh, 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 waouh. Trois, quatre, cinq, six. Il fait sombre et ça cogne. Deux soufres et quatre aubergines. Bonjour, merci. Non, c'est pas dans les algues. Manque deux. J'ai les aubergines. Il me manque deux soufres. Ok. Et là, il n'y a plus du tout, évidemment. Pourquoi faire simple? Eh ben, heureusement qu'on a trouvé aussi du soufre à gogo. Hein. Ok. On va ranger juste ce qui déborde. On a ramassé ça. On refera la vitrine. Ranger ça aussi. Non, je fais ça mal. Parce que si je commence à m'éparpiller partout, ça ne va pas. Et je crois que la bouffe est prête. On a une piole où on range le tissu. Ok. On a une vitrine. On va ranger l'effigie dorée qui a un truc de clé de gardien. C'est cool. On va virer ça. Attends.
Regardez ça, deux jetpacks, une fusée, une clé de gardien. C'est dans les coffres dorés qu'on trouve ça. C'est marrant comme tout. Enfin, marrant si on a la collection. Hein. On va se laisser de la nourriture. Pour un coup. On va faire l'engrais. On va débloquer la micro-puce, je ne l'oublie pas. Donc je refais le point. Le réacteur, on va en faire un de plus. Il manque de l'eau. Là, on a tout. Il manque de l'eau. Et j'ai ma plante à 600%. Encore ? Le soleil brille trop fort, là. Il se passe quelque chose encore. Tempête de sable. Ouais, en énergie, on est à 300, à 140. Donc, on va se faire le réacteur. On va chercher de l'eau. Et promis, on ne meurt pas. Voilà. Allez, c'est parti. Le parc nucléaire va s'agrandir. Et voilà. Produit 331 kWh en plus. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les ramasser à la main? Non. Il se passe quelque chose là. Je souffre pas. On va se faire l'épandeur de fleurs tier 2. Parce que si ça manque de fleurs. Et on va mettre un truc qui booste à 600% l'oxygène. Donc on multiplie par 6 ses valeurs. Oxygène plus 1,95 ppt. C'est pas mal. Pas mal du tout. Ça va pousser. Donc ça c'est fait. On a fait l'énergie, on a fait les fleurs. Et on n'a toujours pas de vers de terre, de chenilles. Du cobalt, merci. Attends, je refais un petit tour, hein, on est curieux. Ah ouais, d'accord, lui, il pulpe. Si tu veux. On va gratter. Est-ce qu'on a... On pourrait ranger des choses. On va nettoyer un peu la zone. Alors, le gazon qui pousse plus les fleurs, ça va être sympa. Mais non, on voit aucune bestiole. Ah, du magnésium, on manque de magnésium, tiens, tu vois. Magnésium cobalt. Qu'est-ce qu'on a là? Titane. On va manquer d'oxygène. Magnésium. Ça fait du bien un petit rappel comme ça, là. Alors, attends. Oh, bah, je suis full. Je suis full. Et on a le plan à débloquer, c'est vrai. On va ranger tout ça comme il faut. Silicium, oui. Titane, oui. Le fer quasiment full. La flotte, on est bien. Hop, on va se garder trois flottes. On va se refaire un peu d'oxygène. On n'a plus d'oxygène du tout. Ok, la nourriture, pas obligé de tout prendre, hein. On va en prendre, on a tout ça arrangé là, on a du 400, du 300 là aussi, j'en ai partout, partout, partout. Les légumes, est-ce qu'on a encore de la place? On est bon, et on veut la micro plus, donc il faut prendre l'écran de plan.
Voilà. Décoder la micropuce. Une fusée de visualisation des drones. Ah mais ça c'est un nouveau patch. D'ailleurs en parlant de ça. On pourrait peut-être faire une fusée. Où est-ce qu'on en est avec ça? Et attends, il m'a looté quoi? Ouh, de l'aluminium. Allez, hop. Un peu les patterns. Uranium, on n'a pas besoin pour l'instant. Iridium non plus, on est bien. La plante, c'est ce qu'on avait fait l'autre jour. Et c'est là qu'il faut une écorce d'arbre, d'accord. Tier 1, c'est fait. Tier 2, c'est fait. Tier 3, c'est fait. Le tier 4, il faudra les circuits imprimés. Je ne les ai pas. Les points d'intérêt avec de l'osmium, je ne les ai pas. Et les visualisations de drones, circuits imprimés. Donc, il faudrait looter les circuits imprimés. On en est là aussi. Ah, le jeu est très long, Ilki. Très, très long. Et d'ailleurs, ça me fait penser, merci, il faut que je fasse du tier 4. J'ai de l'eau. On va essayer de trouver du super alliage pour faire du tier 4 de chauffage, puisqu'on est rendu là-dessus maintenant. Oui, ça va prendre des semaines. Hein. J'ai peur de ça, mais... En même temps, c'est comme si on ne faisait pas de jeu de farm. On va aller se promener. On va aller se promener et on va surtout aller voir les niveaux. Ah oui, il faut que je ferme ça. Il faut que j'aille dans Steam. Les nouvelles coordonnées, est-ce que c'est loin? Voir le dossier. Hop! On va se les noter. Et maintenant, l'objectif, c'est ça. 1565. 109. 2500. Punaise. C'est pas gagné. Hein. Ça me semble un peu loin. C'est pas la course. J'aime bien être fou là, c'est un réflexe de survie. On va tenter un tour, super alliage. Après le super alliage, on va chercher l'uranium, on revient. Alors on sait que ça sert à rien de s'embêter de grimper, je m'embête tout le temps, mais il y a un accès beaucoup plus facile. C'est quoi, titane? On fonce. Voilà, la base est là. Ah oui, la verdure est bien arrivée. Hein. On va juste regarder si ça repop. Je suis pas sûr que ça repop le super alliage. Est-ce qu'on en voit? D'après vous, est-ce que ça revient? Bon, ce serait un peu du shit, hein, mais... Je pense que c'est... Ah, si! En voilà un. Que j'ai dû oublier. D'accord. Comment devenir fou? Tu grattes toutes les falaises, tu... Franchement... Hop, là, non... Non, ça ne repop pas. Et dans le chat, je suis pas là, tu me dis, si vous cherchez le lieu des gardiens, prends pas mal d'eau. Donc ah oui, ok. C'est très loin. Ah, de toute façon, je regarde au niveau du temps. Ce sera pas aujourd'hui. Ce sera un prochain épisode. Hélas. Non, il veut pas. Le jeu est pas gentil avec moi. Et l'oxygène est juste là. Punaise. On va au moins chercher l'uranium.
travail là. Excusez-moi, j'ai coupé le micro quelques secondes, j'avais besoin. Et ouf. On va pouvoir laisser une nourriture ici. Allez, on va chercher l'uranium au moins. Plein nord, c'est ça. On y va. Non, il donne rien du tout le jeu. La navette est là, on fonce. Et pour le radiateur, on va essayer d'en faire au moins un avant de quitter cet épisode. Tu es rendu à développer les insectes, Ilki ? Ah ouais, bravo ! Donc toi, t'as plus le bug du patch alors, c'est cool. Et c'est venu à quel moment les insectes pour toi ? C'est dès que t'as posé les fleurs et les herbes ou pas ? Ça, c'est une vraie question. Parce que tu vois, je pose des fleurs dehors, les épandeurs d'herbe aussi, et je ne vois toujours pas d'insectes. Allez, on file par là. Je l'ai vu, c'est bon. Ah, il n'y avait pas l'eau tout à l'heure. J'ai bien fait ça. Ok. La grotte à uranium est par là. Elle doit être noyée maintenant. Ouais. Oh la vache, on a bien fait. Ok, on récupère tout ça. Ça, on n'a pas besoin. À la limite, on peut laisser un peu la flotte. Nous, on rentre. On fait super alliage et on va faire le radiateur. Du coup, je développerai en off sûrement les radiateurs parce que ça va être long à farmer. Après les arbres. Ah oui, donc c'est bon, je sais pas encore. Je devrais pas être concerné alors. Parce que j'ai fait le biodôme 2. Et on les trouve que en extérieur, on les trouve pas dans le biodôme 2, je pense pas. La flotte là arrive aussi. Bah, c'est un jeu de longue haleine, il n'est pas fini, il continue à travailler dessus, c'est sympa, il y a encore plein de zones qui sont inachevées. Et finalement, la bonne surprise, c'est qu'il y a du contenu. Oh, la grotte Iridium est verte. Bah. On va ramener du minerai, on y va. Mais oui, ça pousse. C'est du cobalt. Voilà, on va purger ça. Ici, on n'a rien d'intéressant non plus. On va pousser tranquillement le jeu, hein. De toute façon, deux épisodes par semaine, le plus loin possible. On est patient. Ça laisse le plaisir d'y revenir à chaque fois. Le lac s'approche dangereusement. Ah mais si je faisais un peu plus de mousse. Le fusil plante, c'est un engrais, une graine de lyrma et une écorce d'arbre. On va faire ça. Ah. Allez, on est à la maison, on va faire la barre d'uranium tout de suite. Et on en garde pour faire une fusée si on ne trouve plus d'uranium. L'iridium, ouais. On va cesser l'oxygène là. Pour l'instant, on n'a pas trop besoin. Il nous faut 3 super alliages pour ça. J'en ai un sur moi.
On va faire jusqu'à 4. 5. Allez, 5. 3, 4, 5. On va prendre un peu d'avance. 1, 2, 3, 4. Ça tombe bien. Il n'y a plus que 5 cobalt. 2, 3, 4, 5. L'aluminium. Le fer. Et on fait tout ça. On vérifie pour le générateur. Il faut 2 barres d'iridium. Une poudre explosive. Ah, attends, 3 et 3. Ah ouais. Je pourrais être gourmand et faire 2 radiateurs en même temps. Soyons gourmands. Est-ce que j'ai de la place ici? Est-ce qu'on peut les faire en extérieur? Ça consomme combien d'énergie? 51. Waouh! Et ça se fait en extérieur. Super. Où est-ce qu'on va les mettre en hauteur, que ça risque rien? On pourrait générer la chaleur ici. On va monter un petit peu, ça m'embêterait de les perdre. Comme je ne sais pas jusqu'où ça va, on va monter du coup à 1072 par seconde, puisque on va fabriquer pas mal de ces pépères. Et non, je ne fais pas de fondation. Voilà, 2 radiateurs géants en tier 4. Ça, c'est bon. Et on va se faire une fusée à plantes, et j'ai oublié évidemment les compos. Il faut 2 super alliages, un engrais, l'IRMA, écorce d'arbre. Là, il n'y a plus. De l'écorce d'arbre pour faire de l'engrais. Rappel, 3 algues, un souffle, 2 aubergines. Ça a poussé, ça a poussé. Et il faut pas oublier les courges. Il faut le soufre. Il restera les super alliages et le moteur de fusée. On va le prendre. Et l'alliage, super alliage, c'est 2 ou 3, je ne sais plus du tout. Et on manque de toute façon de cobalt, si je dis pas de bêtises. Ouais, on n'a plus de cobalt. On va être courageux, hein, on va chercher minerai en aluminium. Hein. Maintenant, je regarde si par hasard, pas de chenille. Faudrait qu'il corrige ça, la lumière dans les nuages, quand tu es en jetpack, ça aveugle vachement. Un cobalt. Écoute, on va gratter, on va chercher. Alors, du cobalt, d'habitude qu'on ne le cherche pas, il y en a plein, c'est comme d'hab. Rien. Ah, c'est une blague. Plus ça va, pire c'est. Hein. Enfin, migrer, je sens tout d'un coup. Là, il y en a. Ok. Oh, bah tiens, sauvé.
encore un peu de place. Allez, encore un et on est content. Ah puis on voit là, ça fume. Les radiateurs marchent. Attends, on se met un peu dans l'ombre. Je sais pas si vous voyez la fumée qui sort. C'est très léger. Hein. Ok. Le son n'est pas poussé. Hein. Alors, heureusement qu'on a la recette du super alliage, mais quand même, rappelle-moi ça. Il en faut que deux, cool. Ça c'est ok. Le magnésium, j'en ai deux, c'est bon. Le titane, on va en garder que deux. Et si on regarde l'inventaire, on a tout. Voilà, j'aime pas manquer. De toute façon, ça pousse à gogo. On est autonomie maintenant en nourriture et en flotte. C'est du bonheur. Allez, hop. On va lancer la fusée. Deuxième fusée à plante. Plus de verdure encore. On va pousser le bouchon. Et on va faire le point d'où on en est. J'ai pas pris le moteur. Sérieux. Et au prochain épisode, on fera évidemment les gardiens, ce sera pour un prochain live, puisque après, nous, on va changer de jeu. Impeccable. Voilà, elle est belle. Elle va nous lancer plein de sports. C'est parti. On va attendre sa sonde base. Ça verdit ? Ça verdit, voilà. Les bactéries arrivent. Bonjour à toi, Ilki. Ah, tu vas faire une vidéo aussi. Tu fais sur YouTube ou pas? Tiens, faudrait que tu me dises un de ces quatre. Au plaisir, en tout cas. Ok, ok. Verdissons un peu tout ce sable. C'est top. On va faire le point. Même là, c'est vert qu'on fait ça. C'est cool. Ça s'infiltre partout. Très bien. Alors, oxygène, on a 82 ppb. Ça monte, hein, l'oxygène, ça monte vraiment. La chaleur, ça booste. Et on est rendu à 190 millions de terraformations. On a fait 100 millions de points. En deux épisodes ce matin, c'est incroyable. La pression, elle, monte tout doucement. Et la biomasse, on est rendu à 10 tonnes. Incroyable. Et en ce moment, on va vers quoi? Eh ben, on va vers la mousse. On est à 93%, c'est ça le truc. Ah, et tu débutes sur YouTube, Ilki44. Et si on te cherche sur YouTube, c'est ton pseudo ou pas? Les gens veulent être curieux de voir ce que tu fais. T'as le droit, hein, profites-en, hein, le chat est là pour toi. Eh bien, écoutez, on va bientôt savoir ce qui se passe, si on a les chenilles ou pas. Ça serait cool. Hop, et il nous reste 330 kWh.
Bon, la biomasse monte pour l'alimentation tier 2. Donc avec la pression, on a poussé, on a poussé, on a poussé, et on a obtenu quoi? L'épandeur de graines, on y était. Pour les fleurs. Par contre, on est très très loin de l'extracteur de gaz. Ça, on a du temps. Et la chaleur, justement, on pousse enfin. On a fait deux radiateurs déjà. Et à 750 microkelvin, on a le temps. On aura la fusion nucléaire et à 1 million de kelvin. Ou 1 millikelvin. C'est pas très clair. Mutagène tier 3. Donc, eux, sera presque fini. L'oxygène, l'épandeur d'arbres à 6 ppm, on n'y est pas du tout. Alors, pas du tout. L'écran de biomasse à 200 millions, ça devrait pas tarder. Donc, voilà. Prochain épisode, on aura la mousse, on aura les chenilles, et on aura un nouvel écran. On verra ça. YouTube, je vous dis. YouTube, je vous dis à bientôt. Et si vous allez voir Ilki44 sur YouTube, c'est Ilki44 Gaming, sa nouvelle chaîne. Un petit clin d'œil à toi, j'espère que ça marchera. Tu auras du monde à passer voir ce que tu fais. Bon jeu à toi aussi. Et à tout le monde, bye bye. Twitch, on se retrouve juste après. On va sauvegarder. Et je me fais une toute petite pause.